Eh bien, salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau numéro de E-Play ce soir au programme Metroid Dread version démo que nous allons voir ensemble et découvrir pendant 10-15 minutes environ histoire de voir un tout petit peu le jeu. Donc sans plus tarder, on y va. Donc on va laisser tel que c'est les options, oui. Donc comme on dit, on va laisser l'intro et je vous laisse et je reviens juste après. Nous allons bientôt pénétrer dans l'atmosphère de ZDR. La récompense pour cette mission ne semble pas être appropriée. Cet ascenseur mène dans les entrailles du bas des reines. Le signal y sera celui de faible qualité et la communication difficile. Mais cette connectée au réseau de la structure du Turin dans le fond pour nous en contact. Les objectifs, jeune dame,
Donc voilà, après cette longue intro et intéressante surtout, tout en français, on va avancer, on va s'en occuper un petit peu, voir un petit peu comment ça joue, on utilise du Metroid. Donc voilà, on regarde un petit peu comment ça se passe. Voilà, ok. Bon, allez, on va y aller. On va découvrir un peu. Voilà. Voilà, on essaie d'apprendre un peu les choses pour cette découverte des mots. On va aller voir par ici. Un petit peu comment que ça se joue, histoire de. Donc, c'est pas pour tout de suite. Avancer. Hop. Voir un petit peu les options. Alors nanana, ok, alors ça c'est vrai, ouais. Donc on a les trucs habituels, donc sympa, journal, ok, donc ennemi mystérieux rencontré, ok, donc passer à l'élève, je veux courir et en appuyant sur elle pour effectuer une glissade. D'accord, c'est juste ça que je veux savoir. Voilà, ok, on va y arriver. En tout cas, c'est vraiment, vraiment sympa. Je sais pas si on a le grappin. Voilà, j'essaie de m'habituer un petit peu. Hein. Donc, ok. On va aller voir par là. Par là, c'est pas pour tout de suite, je pense. On va aller voir là-haut. Donc là, il me demande la bombe. Voilà, je me concentre. Voilà. Hop, je pense à la carte. Juste que je m'habitue un petit peu. Voilà. Une petite intro. Bon, il y a un petit moment qu'il est sorti, mais bon, je l'ai pas encore fait, donc voilà, petite découverte avant de l'achat, bien sûr, toujours. C'est fort sympathique. Hein. J'ai eu un petit peu de mal là, mais bon, le temps que je m'y fasse. J'ai pu accéder à une station de réseau. Bon travail, Samus. J'ai passé en revue des signes vitaux. J'ai effectué une analyse complète. La voix est un petit peu stridente. Je ne peux pas déterminer pourquoi tu as perdu connaissance. La cause de ces changements semble t'avoir privé de la plupart, ce qui me conduit à ton assaillant. Je suis en train de comparer ton... J'ai pu déduire que tu te trouves quelque part dans les profondeurs de ZDR. Cette planète semble être divisée
accélère un petit peu parce que le temps passe super vite. On n'a pas fait grand chose. Peut-être dépasser un petit peu, mais c'est pas grave. Allez, on continue. Un petit coup de... Voilà, ça enchaîne bien tout ça. Hop. En alerte. Je ramasse des bonus. Non, ça sent la fin. En tout cas, voilà, on a du Metroid, hein, tout ça. Comme on les aime. Le mélange 3D et 2D, quoi. Voilà, tout simplement. Impeccable. Il doit y avoir un bonus. Non, c'est sûrement pour plus tard. Allez, on continue un petit peu encore. Donc là, la carte nous indique où qu'on est déjà. Donc c'est pas mal. Ok. Ok, très bien. Boom, voilà. On va récupérer les bombes. On va pouvoir ouvrir. Voilà, les bombes un peu plus costauds. En tout cas, ça avance super vite, hein. Ça va vraiment vite. Hein. C'est une petite découverte fort sympathique. Des choses qui se passent. Oula. Je vais détraquer. La course poursuite comme d'hab. Parce qu'il va falloir le toucher. Ah. Bon, on va essayer de faire jusqu'à 20 minutes et puis on va s'arrêter. Prendre un peu plus de temps. L'intro a duré déjà un peu plus longtemps. On a gagné un autre bonus. Grand classique des Metroid. Ok. Donc il faut maintenir là. Et après viser le trou. Et l'énergie. Alors. Il faut se rechercher, je crois qu'il faut...
et puis après tu vas toute la vie. Voilà. Ok. Ok, je suis mort, je me suis fait surprendre. C'était pas par là qu'il faut aller. Bon, c'est pas grave. On va continuer encore un tout petit peu. En tout cas, pour cette découverte démo, franchement, agréable. Donc, on recommence. Ça charge. Et on tire. On y est presque. Donc on va essayer de se tuer celui-là et puis on s'arrêtera par ici. Bon, j'ai compris. Allez, go. Très belle aventure, ça, depuis qu'il s'annonce. D'attendre qu'ils viennent vers nous. Le jeu, d'après ce que j'ai vu, le jeu semble court, mais bon, après, si c'est un beau moment à passer, voilà, pourquoi pas. En tout cas, voilà, on a une nouvelle arme. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter par là. Hein, vous avez vu que, de toute façon, voilà, un Metroid qui ne connaît pas. Très bon petit jeu hein, à faire. Ah, je bourrine, hein, c'est ça. Voilà, on va s'arrêter dans la mort. Comme ça, on a vu une mort à la fin, c'est impeccable. C'est ce que je voulais voir. Donc voilà, en tout cas, Metroid Dread, je vous le recommande fortement, hein, si vous ne l'avez pas déjà fait. Mais voilà, moi je l'ai fait, voilà, comme ça je vais pouvoir me l'acheter et puis me le faire tranquillement, quoi. Donc voilà pour ce petit e-play de cette démo de Metroid Dread. Donc, très bien, moi je, voilà, je, maintenant que j'ai testé, je vais pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc on se donne rendez-vous, bien entendu, pour d'autres vidéos sur la chaîne et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!